Alors, et bonjour à toutes et à tous, c'est le Tiré de la Force Ninjago. Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais qu'il est un peu tard vu qu'on est déjà le 13 janvier, mais bon, quand même j'avais envie de vous parler de mes films préférés de 2017. Donc je précise que la vidéo sera en plusieurs parties, vu que cette vidéo est assez longue à faire. Donc c'est parti, à tout de suite. Numéro 10. Pirates des Caraïbes 5, la vengeance de Salazar. Donc oui, je sais, je vais peut-être me faire insulter de l'avoir mis dans le classement parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui l'avaient pas aimé. Vous verrez là, tout à l'heure, je vais mettre dans le classement un film qui sera encore pire. Non pas parce que je vais déclencher de polémique et je veux penser différemment de tout le monde, c'est parce que c'est mes goûts. Voilà. Donc ne jugez pas mes goûts. Il n'y a pas de critique dispo de ce film sur ma chaîne parce que à cette époque-là, je ne faisais pas encore de vidéo. Donc voilà les nouveaux personnages. Le fils de Will Turner, qui est mon personnage préféré, Pirates des Caraïbes. Ils sont bien les nouveaux persos. Henri, la fille de Barbossa, le fils de Will Turner. Et ça me fait plaisir d'avoir Will Turner, vu que c'est mon personnage préféré de Pirates des Caraïbes. Voilà, Salazar comme méchant, il est stylé. Donc voilà. Très bon film. On passe au numéro 2. Numéro 9. Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Donc pourquoi est-ce que je l'ai mis en deuxième position? Parce que j'ai adoré le premier. Et celui-là, je le trouve moins bien. Ma déception, c'est que je trouve qu'il n'a pas eu beaucoup d'impact sur le film Marvel. Donc là, pareil, j'ai pas de critique dessus. Mais j'ai bien aimé. Il est marrant. Il y a beaucoup de scènes dans lesquelles je me suis marré. Je trouve que c'est le Marvel le plus marrant. Voilà. Moi, je suis déçu qu'il n'ait pas eu un vrai impact. Et Baby Groot est trop mignon. Voilà. On passe au numéro 8. La suite très bientôt.